Bangladesh. Donc, les femmes travaillent en socialisme, c'est un mouvement d'éducation permanente, progressiste, laïque et mutualiste, qui milite et mène des actions pour favoriser l'égalité des femmes et des hommes et réduire les inégalités en matière de santé. Pour répondre à ces valeurs, nos centres de planning mènent des actions d'éducation à la santé et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Donc, par rapport à tout ça, on a mis en place deux projets spécifiques de prévention et de prise en charge des violences de genre. Un premier qui s'appelle Alternative, qui est une prise en charge par rapport à la violence conjugale. Et le deuxième qui est notre projet MGF, donc concernant la mutilation génitale féminine. Donc ce projet est venu du fait que dans notre planning, on accueille énormément de populations migrantes. Pour la plupart des personnes que nous rencontrons, elles sont concernées par les MGF. Souvent, elles arrivent dans nos centres par le biais des consultations gynécologiques. Par ce constat-là, en fait, notre équipe a voulu rencontrer les besoins spécifiques de ce public et donc se former à la problématique et offrir un accompagnement psycho-médico-social. Donc en fait, ce projet-là, à la base, était mené par le Centre de planning Louise Michel et depuis 2014, nous avons pris le relais. Donc en fait, ce projet-là rencontre les quatre axes de travail de notre planning. Donc les quatre axes qui sont l'accueil, les consultations, la prévention et la sensibilisation. Donc au niveau des accueils psychosociaux, donc ce sont les accueils sans rendez-vous, donc nous avons des permanences où nous rencontrons les dames pour différentes questions, donc que ce soit pour des, par rapport à leur grossesse, la contraception, pile du lendemain, etc. Donc ça c'est plus que par planning familial en général. Et donc nous rencontrons également des femmes concernées par la mutilation génitale féminine qui désirent soit rencontrer un gynécologue ou alors un psychologue. Au niveau de la prévention, donc tout ça se fait souvent par le biais des animations, donc soit au niveau du public tout venant, donc dans les écoles on aborde ce point-là, ou alors dans des écoles plus spécifiques avec des sages-femmes, etc. Donc en plus, comme vous pouvez le voir, on a une permanence décentralisée donc à l'hôpital du CHR de la Citadelle, donc tous les vendredis matins. Donc là, c'est une de nos collègues psychologues qui se charge de faire, en fait, elle va à la rencontre des dames qui viennent accoucher dans l'état de maternité, qui seraient potentiellement concernées par l'excision, et donc comment est-ce qu'on sait voir si ces dames sont concernées ou pas en fonction de l'origine. Et donc nous, on se fie à ça. Donc par exemple, si on voit qu'une femme guinéenne a accouché le jour d'avant, on se permet d'aller la rencontrer directement dans sa chambre. Et généralement, l'accueil est satisfaisant, surtout quand c'est une petite fille qui vient de naître. Voilà, on fait un petit peu de prévention par rapport aux mutilations. Et la dame, généralement, nous accueille, ne nous a jamais fermé la porte, ne serait-ce que discuter un instant. Voilà, elles sont souvent très preneuses. Et donc après, on peut proposer, si on remarque qu'il y a une souffrance ou des douleurs ou quoi que ce soit, on peut la réorienter donc, vers notre centre de planning pour proposer un accompagnement, que ce soit gynécologique, social ou psychologique. Alors, on développe également un atelier qui s'appelle Accoucher ici quand on vient d'ailleurs. Donc, soit Nathalie, soit moi, menons avec une sage-femme de la Citadelle. Et donc, c'est un atelier qui est destiné aux femmes excisées et pas que excisées, donc les femmes qui viennent, on va dire, d'un autre pays, qui sont arrivées en Belgique il n'y a pas très longtemps, qui n'ont jamais connu de grossesse en Belgique, et voilà, qui se posent beaucoup de questions par rapport à comment ça va se passer, mon accouchement ici, voilà, énormément de questions là-dessus. Et c'est un atelier qui permet d'aborder les coutumes, les traditions en lien avec la maternité et la grossesse. Donc voilà, qui est assez intéressant aussi. Donc au niveau des
l'action, donc ça, ma collègue en a un petit peu parlé, et donc nous, ce qu'on propose, bah, c'est un suivi psychosocial, donc personnalisé, donc c'est-à-dire qu'on va toujours rencontrer la dame là où elle en est dans son parcours, voilà, en fonction de sa demande, en fonction de ce qu'elle désire. Donc on a beaucoup de dames qui viennent, qui arrivent chez nous par la porte d'entrée gynécologique et qui viennent généralement chercher un certificat d'excision, de non-excision. Je ne sais pas trop s'il y en a qui savent ce que c'est ou pas. Est-ce que vous... Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler d'un certificat d'excision. Non. Donc en fait, quand une personne arrive en Belgique, généralement, elles font une demande d'asile. Et donc nous, on rencontre beaucoup de dames qui viennent, qui quittent leur pays d'origine avec leur petite fille, leur fillette, pour demander la protection, leur protection. Généralement, ce sont des dames, des mamans qui ont déjà été excisées, qui veulent protéger leur fillette de cette tradition. Et donc, quand on fait une demande d'asile au TGRA, on a besoin de rendre un certificat de non-excision pour la petite fille. Et donc, en fait, le médecin va regarder donc, les parties génitales de la petite fille pour regarder si elle est bien intacte. Et voilà, donc ils remplissent ce fameux papier que la personne doit rendre, si elle le désire, au CGRA. Et donc annuellement, cette maman devra rendre pour sa petite fille ce certificat qui prouve qu'il n'y a pas eu d'excision entre temps. Et donc c'est ça qui va permettre la protection, il va permettre à cette famille de pouvoir rester sur le sol belge. Donc nous, on a beaucoup de demandes de ce type-là, en lien avec la procédure platine. Mais voilà, lorsqu'on rencontre des dames, c'est toujours une accueillance psychosociale, c'est toujours un premier rendez-vous. On se rend compte qu'il y a énormément de souffrance et que les mutilations sont en général une des violences que les femmes vivent ou ont vécues au pays. Généralement, elles sont accompagnées de mariages forcés, de viols ou de violences conjugales, que ce soit dans leur pays d'origine ou même pendant la trajectoire migratoire. Et donc voilà, l'excision fait partie, c'est une des souffrances, mais ce n'est pas la seule fois. Et donc, par cette biais de ce premier accueil, on peut proposer par la suite un accompagnement psychologique ou social à ces dames. Donc on peut proposer donc des animations, Nathalie l'a dit, et donc la sensibilisation à l'attention des professionnels. Donc là, on peut rencontrer des équipes, des plannings familiaux, liégeois ou autres. On peut rencontrer donc les médecins médicaux, parce que comme Jacques l'a dit, sur Liège, le public est fortement concerné par l'excision. Et donc voilà, on peut retrouver cette population dans différents services liégeois. Et donc voilà, c'est simplement le réseau dans lequel on fait partie. Voilà, ça c'est peut-être un peu... Voilà. C'est fini. Alors maintenant, on va passer la parole à Souleymane. Donc Souleymane représente ici le GAMS et le projet Men Speak Out. Bonsoir, monsieur Gap.